très cher ami. Monsieur Willy. Oui. Si j'entends encore la voix de ce petit mot, il me casse d'ici. Non, non, on va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. On va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Déjà, je vais demander à la sécurité, à la sécurité, s'il vous plaît, la sécurité. Non, Ariel, on ne bouge pas, Ariel, s'il vous plaît. C'est pas un garçon, c'est une pédale. Voilà. On va demander. 0, c'est ça, 91. Allez, c'était la joie tout à l'heure. Ouais. Et ben là, maintenant, on entre de plein pied, donc, dans notre procès, un procès tant attendu, un procès de haut volte, avec, bien sûr, la star du coupé décalé. J'ai nommé Ariel Chélé, qu'on va applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Merci, colonel. Labafouet. Depuis encore, on attend l'autre grade, hein, parce que de colonel, on peut passer facilement à général, ce serait pas mal. Général Labafouet, toujours, forcément. Non, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, en tout cas. Aquaba, bienvenue. Merci, bro. Merci infiniment de répondre présent à l'appel. À côté de toi, donc, Ariel Chéné, il y a la greffière. Ce matin, elle ressemble à une poupée Barbie. Non, je suis dans la soirée encore. Apparemment, hier, c'est spécial aujourd'hui. Ouais, spécial aujourd'hui, je te jure, voilà. Ouais. Ah ouais, parce qu'elle a fait ça en philo façon là. Habituellement, elle laisse ça au vent comme ça. Ça me plaît pas. Pour une fois, j'ai attaché. Oh, quittez. À côté, donc, il y a Maître Galegbagnon Zoku. Mangea de riz sauce graine après l'émission. Voilà, toujours un gratin dessus, c'est ça. Et aujourd'hui, vous allez vous faire fort de défendre, donc, avec les mots justes. Ouais. J'ai décidé de défendre Ariel Chéné parce c'était que c'était dit oui. D'accord. Et puis à côté, donc, on a le monsieur le procureur, procureur corrompu, notre procureur de monsieur. Ouais, notre procureur éloge. Voilà, lui, tu lui donnes quelques sous seulement, là, c'est fini. Son réquisitoire est en ta faveur. Monsieur le procureur, on aura droit à quoi? Combien de chefs d'accusation? 6. Tiens! Oh là. Hein, les autres t'inquiètent, hein. Wow. On va aller vite. 6 chefs d'accusation, d'accord. Je redonne le numéro de téléphone, s'il vous plaît. N'appelez pas le procureur, il est en direct là. Donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Je vais décrocher pour toi. 6, c'est beaucoup. Merci. 6, c'est beaucoup. Non. Bah, les gens ici sont dans 4, 3. Tu vois, il y en a même qui a sorti ici. 27-225-08-200 pour nous joindre en direct pour soit accuser ou défendre. C'est parti, nous sommes aussi en direct sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Vous pouvez la partager à outrance. Monsieur le procureur, premier chef. Alors, Ariel Chéné, vous êtes accusé de tâtonner depuis le succès de Amina. Tâtonner même. Oui, il me semble que vous n'avez pas encore renoué avec le succès depuis cette chanson-là. Vous sortez des choses qui sont bien, mais qui n'égalent pas Amina. Bon, ouais, c'est pas faux, ça je l'avoue. Mais il faut dire peut-être que c'est la stratégie autour qui n'était pas efficace. Parce que un morceau, pour le sortir, il faut une stratégie de ouf. Il faut une stratégie qui prend en compte les réalités du terrain. Voilà. Donc, quand toutes ces choses-là sont pas agencées, c'est compliqué. Donc, on a essayé d'améliorer ça. Et puis, bon, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on est ressorti de l'eau. Ouais, direct. Voilà. Voilà. 27-225-08-200, il y a déjà des appels. Allô, bonjour. Voilà, merci, c'est notre ami qui nous pipe là. Le feu sur toi. Le feu. 27-225-08-200, vous le savez, c'est l'émission la plus streamée et la plus internationale. On a des appels de partout, tous les samedis. 27-225-08-200. Voilà, on est passé à 10 chiffres. La Côte d'Ivoire, c'est bang. Allez, monsieur l'avocat, maître Galegbagnon Zoko Gbeli, sur le premier chef d'accusation, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors, normalement, pour dire au procureur que c'est pas parce que Chéné tantonne. Tatonne, il a dit. Oui. Donc, au fait, Chéné, c'est quelqu'un de stratège, au fait. Stratégie que vous voulez. Voilà, c'est quelqu'un de. Voilà, pour moi, les gens parlent de Amina, mais moi, mon coup de cœur, c'est Ghetto. Ghetto, yeah. Pour moi, mon coup de cœur, c'est Ghetto. Mm. Et la chanson Ghetto aujourd'hui, c'est comme le No Woman No Cry de Bob Marley. No Woman No Cry de Bob donc, Marley. Oui, c'est pour dire ça. Voilà. Quand même, ouais, quand même. Voilà. Parce un artiste. Il a fait de l'effort quand même pour l'anglais. Oui, un artiste, c'est vrai. Il y a le 11 mai comme ça, quand tu t'en vas dans tous les endroits où on célèbre Bob Marley, les gens vont jouer des chansons. Quand on entame No Roman No Cry, tout le monde se met à pleurer. Donc aujourd'hui, quand Ariel Chéné en spectacle, on allie tous les trucs d'Ariel Chéné. Mais quand on dit ghetto,
ghetto. Quand on dit ghetto. Ghetto. Et puis la partie où on dit non, demande à mon vieux père Zoubou là. Hey Amis, ça marche, y'a pas de soucis. 27-225-08-200. Madame la greffière, est-ce qu'il y a déjà des messages sur la page Facebook? Pardon, si on n'a pas, moi je vais lire. Voilà, je sais pas. Elle est déjà en plein dans ses cours de Kizomba. Ben, il y a déjà beaucoup de personnes en tout cas. Hein, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas de trahison en Chine. Je vois besoin de giga. Je vends des passes internet à partir de ça. T'attends qu'on réclame ça. Hein. Ah non, 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 c'est pas à moi. 27-225-08-200. Ouais, Maître Galagmagnon, Zoukou, merci infiniment pour votre intervention. Madame la greffière, vous allez noter tout parce qu'après il y aura le résumé. Voilà, ah, super. Merci. Ouais. Aujourd'hui, il y a un résumé. Tu vois, je suis concentré. Allô? Allô, Esprit? Oui, bonjour Maître. Bonjour Maître, on vous appelle comment? Kevin. Maître Kevin, vous nous appelez de quel cours? Faya. De Faya, la cour de Faya. Très bien, on vous écoute Maître Kevin. Vous accusez ou vous défendez? Non, défendez. Vous défendez, allez-y. Défendez donc, bec et ongle. Lévé, bonsoir. Bonsoir Kevin. Lévé, c'est 5-2 mots seulement là. Ah, fermez bouche. Hein. Aïe, tu es venu causer simplement ça. Il faut parler que. Ah, il y a une émission déjà. Moi, je te remercie. Non, mais c'est quoi, c'est quoi? C'est la force de frappe du Kumba là, c'est quoi? Et ça. Voilà. Quand le climat se dit, ça sera la confirmation. Continue, quoi, qu'est-ce que. Il y a un foyer, on est ensemble. On est toujours ensemble, Lévi. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de dragon. Merci infiniment, Maître. Au revoir. Voilà. Voilà, il a bloqué la ligne 27-225-08-200. Monsieur le procureur, oui, vous êtes satisfait hein, du premier chef. Oui, oui. D'accord, c'est en tout cas c'est clair. C'est voilà. Clair. La pour une fois, on n'avait pas eu d'opposition. La réponse était claire. Elle était claire, d'accord, ça marche. Il y a pas de souci. J'ai pas été corrompu, hein, tranquille. J'espère bien. Allez. Alors, deuxième chef d'accusation. Vous avez signé il y a pas longtemps avec Sony. Sony Music. D'accord. Alors, et puis on a appris comme ça que vous auriez résilié votre contrat. Qu'en est-il? Effectivement, je ne suis plus en contrat avec Sony Music. Mm-hmm. Voilà, et ce depuis quelques semaines. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis redevenu indépendant. Et je fais tout ce que vous savez depuis un moment, depuis le 15 mai dernier, à fond propre. Donc voilà, je me produis moi-même et j'ai une maison de production aujourd'hui. S-Record qui me permet de pouvoir me produire moi-même déjà et pouvoir aussi aider les jeunes que je peux aider. D'accord, mais comment est-ce que les patrons de Sony ont accueilli la nouvelle au fait, le départ? Bon, ça a été. Il n'y a pas une incidence après sur... non, même pas. D'accord. Même pas. On ne sait pas. En tout cas, vous inquiétez pas, on ne s'est pas séparé sur de mauvais termes. Voilà, dans de mauvais termes. Ça a été tranquille. Au jour d'aujourd'hui, je suis reparti sur de nouvelles bases avec mes propres moyens. Quoi. Voilà. D'accord, ça marche. 27-225-08-200, tout compte, fermé jamais mieux servi que par soi-même. Allô, bonjour, Maître. Allô, bonjour. Bonjour, la mise en rang. On vous appelle comment? Ouais, c'est Dosso. Maître Dosso, Mamadou, vous nous appelez de où ça? Bon, il y a pas actuellement des Faya les Rosiers. Ah, des Faya les Rosiers, d'accord. Faya apparemment a bloqué le téléphone aujourd'hui. On vous écoute, vous accusez ou vous défendez? Non, moi, j'accuse. Hein. D'accord, allez-y, on vous écoute. Ouais. Hein, mais en respectant, bien sûr, hein, avec le bon ton. Allez-y. L'accusation, c'est une bonne guerre. Pardon? Mon accusation, c'est une bonne guerre. En d'accord, fait. C'est une bonne guerre. Bon, okay. Si une bonne guerre existe, allez-y, on vous écoute. Bonjour, Chenet. Salut champion, c'est comment? Ça va bien chez toi. Ici là. Voilà, je parle en parler. Salut comme nous aussi, quoi. Mmh. Bon, moi, c'est débat. Hein. C'est débat pourquoi? Ouais, parce que avant le décès de ton père, moi j'ai toujours dit, lui, c'est celui qui est le successeur de Yoro. Mmh. Ouais, j'ai vu depuis sa mort là, tu t'es endormi, quoi. Voilà, moi j'attends plus de toi. Il sait que tu peux faire plus encore que ça là. Voilà, parce que le demande de. Non, le demande de tirer sa peau là. C'est bien qu'on sent de l'orgasme là. Il y a un élément là. Ça, j'étais autant en live tout ça. Je dis vraiment que monsieur c'est un artiste. C'est pas un artiste coupé d'égalité, c'est un artiste chanteur aussi. Mais vraiment,
tu t'es trop endormi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi, la Côte d'Ivoire compte sur toi. Donc réveille-toi, travaille fort, faut que tu sois passé. On est venu, on sera plus derrière toi. Peut-être que la dose du somnifère était trop. Je sais pas. Non, non, en réalité, le petit secret, tu sais, c'est quoi? C'est que le départ de mon vie, moi, ça m'a trop mal tapé, tu vois, non? Donc, je me suis joué les dents, mais ça n'a pas pris, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, ça ne m'a pas tué. Et puis, je suis revenu maintenant. C'est ça. Ça va tomber pour savoir te relever, quoi. T'as tout voulu te relever. C'est pas faux. Ça, c'est moi, tu as raison. Voilà. D'accord, bon. L'ami? C'est bon, non, l'ami? C'est bon, tu es satisfait? Ouais, ouais. Zo, si fond dans le carton, t'inquiète, il va plus dormir. Là. Non, on a bloqué le maté là, merci infiniment. Allez, bon après-midi, au revoir. 27 225 08 200. Allô, bonjour. Allez, bon après-midi. Allô? Allô? Oui, bonjour, il faut baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît. On vous appelle comment, maître? Maître Ismo, vous nous appelez de quel cours? Yepougon. Yepougon, vous accusez ou vous défendez? Défends mon vieux mort. Défendez votre vieux mogo. Allez. Bonsoir, chérie. Bonsoir, fils, c'est comment? Ouais, ça va. Ils y vont. Bonsoir. Ouais. Continue. On a besoin de toi. Après tout, la vie continue. Ma foi. D'accord. Merci infiniment. Au revoir. Ce qui est assez marrant là. Ouh, désolé. Ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que bon, les gars sur Internet, ils y vont à fond, mais quand ils appellent, allô, c'est les salut. Non, on fait pouce là, déjà. Mais d'ailleurs, dans les commentaires, je sais pas pourquoi là aujourd'hui les gens ont envie de parler anglais. Mais du coup, il y a Israël qui dit You are my star on music be strong. Allô, 27 225 800. Allô, bonjour. Il faut baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle comment? Moi, c'est Eto depuis Trècheville. Maître Eto depuis Trècheville, vous accusez ou vous défendez? Bon, je peux dire que je n'accuse pas, je ne défends pas. Vous êtes au milieu, au fait? Ouais, au milieu. Ouais. D'accord, vous faites en zone tampon, allez-y. Ah, vous okay, écoute, ouais. Salut, mon vieux Moro, bonsoir. Bon ouais, bonsoir, fils. Ah, qu'est-ce que les gens, beaucoup de petits. Bon, il y a un truc qui n'est pas compris sur mon artiste. Vas-y, vas-y. Il a fait Coco Taï, c'est pas pourquoi. En fait, la dévancer la calvésie, nous rejoint. Ah, il demande pourquoi tu as fait Coco Taï. Ouais, c'est pas moi. Les cheveux ont poussé. Non, il a fait Coco Taï, tu vois, il a décidé de reprendre beaucoup de choses à zéro. C'est ça. C'est un signe de nouveau départ, tu vois un peu. Ok, voilà, je vois. Donc ça, c'est ma nouvelle confiance jusqu'à ce que l'année... Il n'y a pas de... Mais là, ça a repoussé hein, du coup un étau, donc il faut non, qu'il... Non, ça, t'as à voir d'ici demain. En tout cas, bravo à celui qui le taille, franchement. Merci infiniment, l'ami. Okay, allez, raccrochez vite avant que la série ne coupe le courant. 27 225 08 200, allô, bonjour. Il faut baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô, baissez le volume de la radio, là, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de baisser le volume. Voilà, baissez bien, s'il vous plaît. Baissez bien. Coupez. Allô? Merci, allô, on vous appelle comment, maître? Breton H2O. Maître H2O, qui nous procure de l'eau. On en a bu tout à l'heure, là. Vous appelez de quel quartier? Riviera Abata. Oui. D'accord, ok. Vous accusez ou vous défendez? Oh, on dit le lobe au frein qui peut de la on dit le colonel est là. Non, vous l'avez. Celui qui l'accuse là, c'est un sorcier du dernier cri. C'est que lui n'est pas bon. Alors. D'accord. Y'a tu connais bien. Mauvais moi enchaîner. Ouais, fils. Mauvais moi enchaîner. Ouais. Et toi, tu sais que le malin. Et t'es là, on est concentré dessus. Moi, je connais. Moi, je connais. Vraiment, il faut tuer le monde qui était ici. Yawadra. Voilà, il faut laisser un enfant adoptif de Salif Keita là. T'es rentré boulé. Ouais. Moi, ça fout de lui, il faut le laisser. Allez, on t'a force. Voilà. Non, Yawadra, en tout cas, t'inquiète pas. Il veut sucer ton baise au vieux, c'est pas la même chose. Il a rien pour rien. C'est un plaisir, c'est un danseur bien assis, c'est un monsieur. Ouvert. Il a rien dans ses bébés. Ouvert. Yawadra, t'as du colère. Faut pas le calculer, vraiment, vous te concentrer sur ton bar, faut pas causer lui-même. Faut même pas le voir même, même dans ton rétroviseur. Même si t'en es parti que tu le vois dans ton rétroviseur, faut tourner rétroviseur.
Enfin, ton petit fils, c'est la meilleure. Non, vraiment. Vous êtes mariés, ils sont graves. Yad, où tu te brosses le bâtard? Vous m'accompagnez là-bas. Tiens! D'accord, non, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous. Moi, mais ça, derrière le monde direct. D'accord, ouais. Nous aussi, on te regarde en direct. On te voit ici à travers une application. Merci infiniment. Allez, on te voit en train de raccrocher là. Merci, voilà. Ouh. Allez, dernier appel avant de poursuivre avec les autres chefs d'accusation. 27-224-0800. Allô, bonjour. Allez, dernier appel. Il faut baisser le volume de la radio, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, vous avez une belle voix. On veut l'entendre uniquement. On vous appelle comment, maître? Bonjour, je suis Iris. Iris, maître Iris, baissez le volume carrément. Diminuez même. Pardon. C'est bon. Merci. Maître Iris, vous nous appelez de quel cours? Engrais. Engrais, château? Oui, oui. Ah, je savais. Vous accusez ou vous défendez, Ariel Chéli? Je défends grave. Vous défendez grave, allez. Défendez. Allez, Chéli, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde, mon ami, bonsoir. Je parle de toi, ta voix est sexy, c'est trop sexy. Alors, il est marié, pardon. Je t'aime, je n'avais pas dit qu'il est marié. C'est quoi, vous commencez, hein? C'est la petite trop sexy, c'est la petite petite la Côte d'Ivoire pour moi. Que le VP Luxe, pardon, quoi, elle est poil. D'accord. Non, c'est beaucoup de courage. Merci. On te souhaite une très grande carrière artistique. Merci super, vraiment. Voilà. Super, ça marche. Merci infiniment. Gros bisous à vous, Iris. Iris. Bye, au revoir. Avant de partir pour d'autres appels et puis aussi les autres chefs d'accusation, tout à l'heure, on parlait du volet Sony. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, en plus de se produire soi-même, Ariel a décidé de s'attacher les services donc de l'un des meilleurs qui a fait les plus grands aussi, à savoir donc Elphazo Pascal. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, je profite du canal de Trace pour informer la nation que... Ouais. J'ai commencé une nouvelle aventure avec Elphazo Pascal, ex-manager de notre très cher Claire Barry. Ouais, c'est ça. Et manager aussi de Bams. Voilà, c'est la même famille, comme pour dire que le coupé décalé, c'est le coupé décalé. Voilà, et Sly de Sly aussi. C'est un manager très expérimenté. Et il faut dire que son apport est en train de vraiment, vraiment élargir mon champ. Quoi. Voilà. Donc c'est une nouvelle aventure. À ses côtés, il y a Monsieur Barros Sekweji. Monsieur Barros, effectivement, qui fait beaucoup pour la culture. Exactement, qui a fait beaucoup depuis des années pour moi. Ouais. Voilà, dans l'ombre, un peu dehors, un peu dans l'ombre. C'est ça, c'est ça. Je le surveille hein, parce que au fait, il y a quelqu'un qui doit me transférer quelque chose. Donc je surveille pour voir s'il n'est pas très parti. Il y a aussi Caporal Azoum et GL Manager qui travaille aussi avec Elphazo. D'accord. Et puis, il n'y a pas vous, mais vous voulez rajouter quelque chose. Alors, Monsieur le juge... Ouais. C'est pour apporter un témoignage fort. Allez-y, Maître Galegbagnon Zoukoubeli. Vous savez que Elphazo et Maître Galegbagnon Zoukoubeli, ça fait moins de 20 ans. Moins de 20 ans ou plus de 20 ans? Il est là. Ça fait moins de 20 ans. Moins de 20 ans ou plus? Moins. alors, normalement, je viens devant la cour pour certifier et confirmer que c'est Elphazo pour tous les artistes qu'il a. T'as dit, d'abord, lui et moi, on bosse ensemble. D'abord, d'accord, pour ceux qui ne savent pas. Sa rigueur, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est sérieux dans son travail et tout, t'as dit, elle passe tout de moi-même là. C'est une anecdote, je vous explique. Il y avait une manifestation, on était avec Obams et quand Obams est arrivé, de la manière il a fait le monde, j'ai dit Vino, Elphazo, il est professionnel. T'as dit, c'est quelqu'un, Dieu merci pour moi aujourd'hui qu'il a chaîné. Chaîné verra comment Elphazo, t'as dit, comment on appelle là, emploie sa stratégie. Monsieur l'avocat, oui. Vous avez une belle carrière quand même dans le coupé décalé. Il n'a jamais voulu vous manager? Non, Elphazo, je connais beaucoup de managers. La plupart de tous les managers du coupé décalé, de temps, de douce. Mais vous-même. Moi-même. Bon, moi-même, le jour qu'il rentre en studio, je vais voir Réchiné pour dire, est-ce qu'il y a Elphazo? Le jour qu'il rentre en studio, l'arrangeur sort. Bientôt, il y a un featuring entre Maître Galegbagnon Zoukoubeli et Willy Dombo. Ah ouais. Il y a ouais. Featuring. Nos oreilles. Voilà, donc normalement, voilà, ça marche. Donc, voilà, moi, l'artiste que je vais inviter, c'est là pratiquement. C'est Chéné. Donc là, il est là pratiquement. Ok. Oui, madame la gifle. Du coup, il y a des gens qui demandent sur le live comment on peut faire un feat avec Ariel Chéné. D'accord. Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Non, c'est pas payant. Moi, je prends pas d'argent pour faire un feat. C'est au feeling d'abord. D'accord. Voilà. Il y a Alice qui fait un bisou. Voilà. Elle est partante pour faire un son.
Il n'y a même pas de souci. Elle te ramène directement en Suède. Hein, ah ouais. Elle m'a trouvé une apoutchou suédoise là-bas. Ouais, nickel. Arrête, Chéné ne prend pas d'argent quand on le sollicite. C'est juste au feeling. Non, ouais, non, moi je confirme. C'est juste, au feeling. Pour avoir fait l'un des premiers featuring avec lui, je pense, hein, c'était le troisième pont. Le son restait sur le troisième pont. C'était un son en plus pour l'ouverture du pont. Ah, exactement. Voilà. Ça, ouais. Le son était utilisé. Tu peux le faire sortir? Ben oui, pourquoi pas, ça peut revenir, hein. Bah, je pense, hein. C'est un son qui peut revenir, peut-être, c'est de refaire le clip, au fait, c'est tout. Sinon, elle passait avec des Acme Tilnou dedans, à un moment après. 27-225, 08-200, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, maître, on vous appelle comment? Jean-Marc. Maître Jean-Marc, JM, vous nous appelez de quel cours? J'appelle la rue Bassam. Bassam. maître JM, on vous écoute, vous accusez ou vous défendez? Je défends. Pour défendre aussi, à vous niancer. Ouais, ma belle, je défends en même temps des conseils, quoi. Ouais, des conseils, allez-y, ouais, défendez. Voilà, voilà, c'est important, ouais. Allez-y. Ariel, bonsoir. Bonsoir, famille. Qu'est-ce que les gens ont avec bonsoir? Bon, vraiment, bon boulot à toi. Merci. Et puis, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Tu es en train de sortir légèrement de ton deuil. Ouais. Maintenant, c'est que. C'est que nous, on se fait du temps, c'est qu'on connaît de toi. Tu connais très bien ton père. Tu connais un peu son genre musical. On a besoin d'espace. On a besoin que tu nous fasses sortir un truc de ce genre. Un truc avec une rage. Tu vois un peu, comme la mère des remis, là. Tu fais sortir un truc avec une bonne rage. Tu dis que voilà, tu évacues tout ton stress. Je ne sais pas comment te faire comprendre, quoi. Mmh. Voilà, tu verses tout là, pour montrer à la population que tu es prêt. Mais s'il verse tout, il lui reste quoi lui-même s'il verse tout? Il lui reste beaucoup. Parce il a du travail à faire. Au lieu de faire les clashs, là, t'as qu'à laisser les clashs aller, là, il est l'heure du travail. D'après, tu as envie de laisser Salif Keïta. Laisser son fils. Laisse son fils en train de sauter. Michel Buzz, faut pas qu'il passe par toi pour créer le buzz. Voilà. Oh, courage à toi et puis. Et c'est un jeu, vraiment, c'est voilà, bon un vrai conseil. Merci beaucoup. Et moi, j'ai dit allô, maître. Oui, allô. Oui. Ouais, pour vous, hein, je sais pas, mais vous avez le coucou de celui-là, écoutez. Vous entendez? Oui, j'entends légèrement. Oui, oui. Vous avez demandé Salif Keïta tout à l'heure. Ouais, le frère, oui. Ouais, je pense. Merci beaucoup, merci. Ariel, si tu verses tout. Ok, bon boulot. Bon, ouais. Allez, merci à vous. C'est bon aussi, hein. Ça va faire revenir. Tu verses tout. Ouais, il laisse tout directement. Maître Gagmayon, Zoko Gbeli. Ouais, vous adorez. Je vous écoute, allez-y. Monsieur le juge. Oui. Vous savez, je suis un vieux de la vieille. Ça, on le sait, vous. Je suis un vieux de la vieille, j'ai fait toutes les écoles de coupé de Cali. Ouais, ouais. Ariel Chéné, c'est pas parce que je suis son avocat aujourd'hui, mais l'enfant là, il a quelque chose. Vous le dites pour tous ceux qui passent ici, hein, au fait. Non, c'est pas pour ça. C'est vrai, je suis l'avocat, mais Ariel Chéné seulement là, c'est un cas spécifique. Ouais. Parce que j'ai pris mon temps, paix à son âme, j'ai eu la chance de connaître Didier. Ouais. Et Didier m'a parlé de Chéné. Chez Abou Nida, dans les studios d'Abou Nida, à Warabos. Et quand il veut nous têter, là, il commence à bégayer un peu. Quand Didier, père à son âme, me parle derrière Chéné, c'est avec, je ne sais pas comment on appelle là, avec beaucoup d'amour, de passion. Beaucoup d'amour, de passion. Ariel est talentueux. Ariel, c'est quelqu'un qui est très fort, effectivement. Il est talentueux. Moi, aujourd'hui, quelque part, je suis fier aujourd'hui d'être son avocat. Mais je sais ce qui arrive, les tubes qui arrivent là. Ce qui arrive là, c'est pas bon, les gars. C'est quoi? Parce que j'ai dit, présentement, tout à l'heure, l'auditeur qui a appelé a dit non, que tu as trop dormi. Mais quand tu es frappé d'un deuil comme ça, parce que Yoro, c'est pas un petit, Yoro, c'est un monument interplanétaire. Yoro, c'est une légende. Quand on perd son père comme ça, là, on vient pas un coup tout de suite, il faut respecter la Chine. Moi-même, je suis l'avocat des Chinois. Ouais. Mais ce qui arrive, quand il regarde Chéné comme ça, là, c'est pas bon. C'est de lourd. Quand vous regardez Chéné, ce qui arrive, bien sûr, ça sonne tout simplement ETC. Ok. On en écoute un bout, là, écoutez. Le plus beau pays de l'Afrique et du monde. Ça ressemble à un film d'horreur. Les habitants qui y vivent ignorent encore qui est cool. Avec des petits rires en bas.
suis celui que vous refusez que je sois. Je suis le lion musical du pays. Je décide de quand on danse et de quand on chante. Je ne suis pas Dieu, mais je suis maître du destin musical de la Côte d'Ivoire. C'est apprendre ou apprendre. Repose en paix, Papa Ahmed Bakayoko. Yeah. Dédicace à tous les DJ du monde entier. C'est en total exclu sur Trace 95.0 ETC. Le nouvel Ariel Chéné. C'est la danse du courage. Allez bouger comme ça. Amiral Ange Kessi, Libanais noir. Marco Denon. DJ Philo. Demandez Sinali. La joie parfaite de Bloc Boss. Oh, ils n'ont qu'à respecter. Doucement, ne vous bousculez pas avec la boisson DS8. C'est moi et manière l'ambiance. Ça te plaît. Voilà, c'en écoute hein, sur Trace 95.0. Vous allez écouter ça. Je crois que ce sera l'exclu hein, de cette semaine-là. Ouais. Voilà. L'exclu Trace. Voilà. Donc, pour tous les pirates, allez télécharger ça officiellement. C'est téléchargeable sur les plateformes. Pas encore. Voilà. Donc, c'est sur Trace seulement. Donc, on doit. Voilà. Généralement, dans les vieilles radios, ouais. avant, quand tu fais un nouveau son. Merci. À la maison, ton cœur gâté comme ça, façon d'enregistrer avec les cassettes. T'as qu'un cassette aussi sur couple là. Allô? Bon, allô, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, maître. Comment ça va? Allô? Ça va très bien, ouais. Maître, vous nous a manqué de. Waouh. Du bon nialol. Non, mais je vous ai pas manqué. J'appelle toujours. Je participe toujours à l'émission. Maître, quand je parle de manquer, j'ai dit on a fait de samedi dernier à samedi aujourd'hui, ça fait une semaine. Waouh, c'est beaucoup. Oui. Waouh. Mais ça, oui. J'ai attendu ça et puis bon, voilà. Je suis là. Je suis avec vous. À d'accord. 100%. D'accord, maître. Waouh. Ariel Chéné est ici. Il faut lui laisser un petit message. Ah non, mais ça c'est vrai, vraiment les mots me manquent, ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à Ariel Chéné. Ça c'est mon artiste préféré, wallah il a dit. Vraiment, je dis merci à votre chaîne d'avoir invité notre artiste préféré pour qu'on puisse vraiment échanger avec lui. Parce que c'est grâce à vous seulement qu'on peut parler avec nos artistes préférés. Mais Ariel, s'il te plaît, il faut bouger un peu à côté de la greffière parce que j'étais fait aller. au fait, comme c'est en même temps en direct sur Trace, on a remarqué. Je te jure, waouh. On tient à préciser que vous nous voyez en même temps sur Trace Africa. Vous allez nous voir, si vous nous regardez, c'est sur Trace Africa. Et puis là, actuellement, on est en direct sur Trace Côte d'Ivoire. Waouh. Trace Côte d'Ivoire, page de Facebook. Waouh, ça c'est inévitable. Je vous vois partout. Oui, je vous vois. Maintenant, vraiment, merci beaucoup à monsieur le procureur, parce que c'est lui qui envoie tous les accusés à là-bas. Le procureur. Waouh. Procureur, merci beaucoup. Ouais. Merci vraiment d'avoir envoyé Ariel Chéné là-bas. Merci. Aujourd'hui, moi, je ne l'acquise pas. Je vais le défendre. Et je lui dis encore de continuer tel qu'il est, faut pas, il va changer. Parce que moi, pour moi, c'est l'un des artistes africains les plus humbles. Vous voyez? Et puis encore, il a vraiment, je sais pas, mais il ne répond pas de jalousies ou de trucs africains là, qu'on parle de n'importe quoi là. Non, il répond pas à ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, s'il n'était pas né en Afrique, honnêtement dit, il allait être blanc-white. Wow. Parce que regardez, c'est pas son problème tout ce que nous avons parlé de théorie là. Mais il est né en Afrique, donc voilà pourquoi. Sinon, bon, il n'est prophète, c'est lui. À part ça, c'est un grand artiste, Ariel Chéné.
Et ce qui me plaît, c'est lui encore, c'est quelqu'un, vraiment, il est humble. Il ne se montre même pas comme si c'est un artiste, mais c'est Dieu qui a donné ça. Wow. Il n'a pas allé chercher quelque part, c'est Dieu qui l'a donné, c'est pas l'homme. Wow. Et ce que Dieu a donné et puis l'homme a donné, c'est différent, ouais. Right. Ariel, vraiment, continue comme ça, n'écoute pas, et seulement, parce que je te vois quand tu crois tes grands frères, comment tu les respectes, comment tu les parles, toutes tes interviews, je suis de A à Z. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà, et vraiment, merci beaucoup, et vraiment, que Dieu te donne longue vie, et puis amen, une brillante carrière. Amen. Fais un tour à Dakar, et puis vraiment, je vais tout faire, je vais venir à ton concert à Dakar, n'importe ça, où ça, vous serez dans le monde. Ça très bientôt. Et il faut préciser que Maître nous appelle d'Allemagne, waouh. Oui, là je suis à Berlin. Mais si aujourd'hui même Ariel Kennedy il va faire concert à Dakar, wallah, il a dit moi je prends mon billet d'avion. Wow. Ça fait plaisir. Wow. Merci maître. Merci beaucoup maître. Ok, merci bien. Et bonne journée à vous. Bonne journée. Oui bébé. Merci. Et c'est rentré dans bébé maintenant. Hein. Maître. Allô, on prend quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô, comment ça va? Comment ça va? On vous appelle comment? Donnez-moi la place rapidement. Allô, s'il vous plaît, on est dans un studio, s'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, on vous appelle comment, maître? Oui, c'est Kadmao depuis la Bruxelles. Kadmao depuis? Non, Bruxelles. Depuis Bruxelles, d'accord. Vous nous appelez pour accuser ou pour défendre? Ouais, moi, je juste accuser un peu et à réchigner. D'accord, on vous écoute, très cher. Au fait, Ariel, moi, je l'ai connu chez Christian, c'est ça, c'est PC, André, chez qui? C'est quoi? Christian. C'est PC. C'est où ça? C'est en zone 4 ou bien à Kumasi? Non, c'est André, Soleil 3. André, Soleil 3, c'est quoi? C'est un maquis, c'est une cave, c'est un bar? Non, c'était chez un gars, là, un ami, là. D'accord. Mais c'est pas important. Ouais. Au fait, mon souci, c'est quoi avec Ariel chez lui? C'est concernant son dernier son. Son dernier son? Ouais, il y a quoi dedans? Au fait, on voit qu'il y a trop de ressemblances avec le son d'Arafat Agbanya. Ok. Ariel répond quoi à ça? Bah, je réponds que c'est une musique traditionnelle, les ébriers. Donc, s'il y a des tambours... C'est plagiat. alors, pour ceux qui nous écoutent en ce moment à la radio, on a Safarel Obiang qui a fait son entrée donc, dans le studio. Et qui est en train de réclamer donc une place dans le studio, il veut s'asseoir. Donc si vous avez entendu ces plagiats, ben c'est Safarel Obiang, voilà. Moi c'est la première fois, voilà, s'il vous plaît, Safarel, s'il vous plaît, un peu de tenue, parce que voilà, c'est pas un marché, s'il vous plaît, ok? Voilà, c'est pas un marché ici, c'est une radio qui se respecte. C'est un procès aussi. Donc il faut aussi nous respecter, voilà, merci infiniment. Alors donc, on vous écoute très cher ami. Monsieur Willy. Oui. Si j'entends encore la voix de ce petit mot, il me casse d'ici. Non, on va se calmer, s'il vous plaît. Déjà, je vais demander à la sécurité, s'il vous plaît, la sécurité. Non, Ariel, on ne bouge pas, Ariel. Ariel, s'il vous plaît. C'est pas un garçon, s'il vous plaît. Voilà. On va demander à la sécurité, voilà. C'est ce qu'on redoutait, voilà. Ariel va s'asseoir. Ariel. Non. Ariel va revenir. Voilà. Désolé à tout le monde. Nous sommes en direct en ce moment sur la page Facebook de Trans-Côte d'Ivoire et en direct aussi sur la 95.0. On ne sait pas ce qui se passe, mais bon, on a Safarel qui a fait son incursion donc dans le studio. Alors, ce qu'on va faire, on passe la pub et on se retrouve dans quelques instants seulement. J'ai envie de le dire, le coupé décalé est un long feuilleton avec plein de rebondissements. Voilà, nous étions en train de discuter avec Ariel Chéné quand soudain, tout à coup, brusquement, le Saitama fit son entrée dans ce studio-là, à savoir Safarel Obiang. Bonjour Safarel, on s'est calmé un peu maintenant? Ça va? Ouais, ça va. D'accord, ok. Il a les yeux tout bleus, c'est quoi? Et il pleurait de tristesse ou de rage? Posez-moi une question. Mais c'est une question, en fait, je ne sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché au point de rentrer comme ça dans le studio? C'est la toute première fois de mémoire d'homme de médias de voir ça. Un garçon ne parle pas dans le dos, il parle en face. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il disait quoi exactement en fait?
Et on a tous entendu, il n'y a pas eu d'injure. Il n'y a pas de problème, mais il sait ce qu'il m'a envoyé. Là maintenant. Sur WhatsApp, quoi. Tu vois, non. Voilà. C'était quoi le message en fait. Il ne peut pas vous dire, mais je suis là. Et c'est lui qui a reculé. Donc il va comprendre que lui, il est mon petit, quoi. Voilà. D'accord, ok. Je ne sais pas si tout le monde a vu, mais on va prendre des appels. Je ne sais pas si les gens aussi sont, partagent votre avis. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, maître. On vous appelle comment? Jean-Marc. Jean-Marc, d'accord. Jean-Marc, alors, je sais que vous avez forcément assisté à la scène, à ce qui s'est passé en plein direct. Là, Ariel Chenier a claqué la porte et Safarel a pris sa place. Je sais pas, vous avez forcément quelque chose à dire? Non, moi, j'appelle pour accuser d'abord. Ok. Il n'y a pas pour accuser Safarel. Vous êtes des artistes et c'est une radio. Aujourd'hui, c'est Ariel qui était invité. Je me dis, en tant qu'artiste, vous devez vous soutenir. Même quand vous avez des clashs contre vous. Mais débattre comme ça dans une émission et faire quitter le plateau, faire que l'autre quitte le plateau comme ça, c'est pas grand. C'est pas digne des artistes de Côte d'Ivoire. Pour moi, ça fait mal de voir ce genre de choses. Et en Côte d'Ivoire, ici, nous tous, nous savons que c'est le buzz qui prend de l'ampleur. Mais ça garde quelle image de vous? Vous êtes des artistes, nos enfants vous regardent, nos enfants vous imitent. Et si vous vous comportez comme ça, comment nous on peut réagir pour dire on a des artistes aussi, on peut discuter dehors pour vous, on ne peut pas le faire. Parce que vous ne vous comportez pas comme des artistes. Quand on regarde les clips américains, parce que le couplet décalé tient un peu de ce genre. Quand les artistes américains sont en clash, le gars rentre en studio, il te fait un son bien brut là, de te montrer que c'est un artiste, c'est un chanteur. Mais c'est un peu ce qu'ils ont fait au fait aussi. Je veux dire, après les clashs, après on a le Charadens qui est sorti, on a Ariel aujourd'hui qui sort ETC. Est-ce que c'est pas une preuve aussi que ce que vous dites aussi est bien sûr écouté? Là, oui, mais, mais c'est pas pour débarquer dans des émissions où l'autre en train de faire son émission. Oui, ça c'est clair. Nous-mêmes, personnellement, on n'a jamais vu ça. On n'avait pas vu ça venir. Oui, je vous écoute, on n'a pas vu ça venir. Mais vous savez aussi que c'est une plateforme libre pour tout le monde. Je pense qu'on a bien compris aussi ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec. Et ça vous dit à Safarel que il a qu'à respecter l'émission de l'autre. Même s'il en clash avec l'autre, il le respecte aussi. D'accord. Lui aussi, il a ses fans. Et Ariel aussi a ses fans. D'accord. Mais Safarel est venu pour une raison aussi bien précise. On va l'écouter quand même avant, bien sûr, de prendre une décision, si vous le permettez. Safarel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'a envoyé un texto qui n'est pas joli. Non, on va pas en remettre une couche encore. Là maintenant c'est le manager maintenant d'Ariel Chenier qui rentre. Alors je pense que on a aussi une radio qui se respecte. Voilà. Non, s'il vous plaît, on a une radio qui se respecte. Ce qu'on va faire, je pense, s'il vous plaît, là maintenant je parle. Non. Je vais demander à la sécurité, s'il vous plaît, faites-moi venir un membre de la sécurité, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je vais demander à ce que tout le monde se calme afin qu'on puisse terminer cette émission-là. Soit vous nous laissez la terminer, ou soit on remballe tout et puis chacun rentre chez lui. Voilà, s'il vous plaît. Non. Vous avez parfaitement raison, mais il faut écouter. Personne aussi n'a demandé à Ariel de sortir. Il aurait pu rester et nous laisser. Voilà, et nous laisser aussi. Voilà, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, ce qu'on va faire. Non, s'il vous plaît. Les deux, ils savent. Les deux savent, d'accord. Puisque les deux savent, bien sûr, les raisons pour lesquelles ils sont. Non. Ce qu'on va faire, c'est simple. Personne ne rentrera dans ce studio pour nous dire ce qu'on doit faire. Je pense que voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir appelés. On va clore cette émission-là. Bon vent à la musique ivoirienne. Bon vent au coupé décalé. Bon vent à Safarel, au Bianque. Bon vent aussi à notre très cher Ariel Chenier. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, sur ce, donc, c'est fini pour aujourd'hui. Pour, voilà, accusez-le et vous. On se retrouve samedi prochain. Merci, bye. Au revoir. Vous avez suivi.